السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دونك مرحبا بكم في السواري دو لاندي. Lundi 23 Rajab 1439 de l'Hégire, correspondant 9 avril 2018. Donc, par rapport au cours, Aqidat al-Sunna al-Jama'a, Aqidat al-Sunna al-Jama'a, le dogme des gens de la Sunna du consensus, de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin rahmahullah ta'ala, c'est le cours numéro 21. Nous sommes toujours dans la croyance, n'am. Notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Donc, dans les 6 piliers ici, nous sommes toujours dans le premier pilier, c'est-à-dire la croyance en Allah. Et nous sommes dans les noms et les attributs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le dernier cours de la croyance en Allah. Le prochain cours, c'est la croyance en les anges. Les anges, le malaïka, l'iman bil malaïka, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, on termine, inshallah ta'ala, il dit ici, aujourd'hui, c'est l'iman bithubuti ma atbatahu Allahu li nafsih wa ma atbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifatillah. Donc, la croyance en ce que Allah azza wa jal a affirmé à son propre sujet et en ce que lui a affirmé son messager à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends le livre, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, wa nu'minu bi thubuti ma athbathahu Allah li nafsihi wa ma athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifatillah. Et nous croyons fermement en ce que Allah Azza wa Jal a affirmé à son propre sujet et en ce que lui a affirmé son messager alayhi sallam à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Mais, tout en affirmant ce que Allah azza wa jal s'est affirmé à lui-même et ce que son messager alayhi sallam lui a affirmé comme attribut et non, comme les noms les plus beaux et les attributs les plus beaux aussi, n'am, en même temps, nous nous désavouons, n'am, nous nous désavouons de qui? De deux principes. N'am, tout musulman, tout croyant, tout salafi, n'am, dans la aqida, surtout en ce qui concerne les noms et les attributs de l'Allah, doit se désavouer de deux principes. Le premier, التمثيل, l'anthropomorphisme. التمثيل, l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, la tendance à attribuer à Allah Ta'ala des caractéristiques propres aux êtres humains. Donc de dire que Allah Ta'ala, مثلاً, يعني, a telle chose à, qui est propre aux êtres humains. Chose là, qui est propre aux êtres humains. Propre. Nam. Nous nous désavouons des gens qui pensent ainsi et de ce principe qui est temtil, l'anthropomorphisme. Nam. C'est aussi le fait de dire dans son cœur ou avec la langue que les attributs d'Allah Ta'ala le Très-Haut sont comme ceux de ses créatures. Donc, l'interdiction, ce n'est pas seulement de dire avec sa langue, mais de dire aussi avec son cœur. Penser avec son cœur que les attributs d'Allah Azza wa Jalla sont comme ceux de ses créatures. Donc, s'il dit que Allah Ta'ala dit que ses deux mains sont tendues, donc il va dire que Allah Ta'ala a deux mains comme nos mains. Non.
il va savoir que Ahl Sunna ou Jama'a disent qu'Allah Ta'ala a deux yeux, il va dire que Allah Ta'ala a deux yeux comme nos yeux. Et comme ça, dans tous les attributs. Donc ça, c'est quoi? C'est Tamthil, l'anthropomorphisme. Et celui qui pense ainsi, c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est quoi? C'est le premier principe dans Ahl Sunna ou Jama'a se désavoue. Le deuxième principe dans Ahl Sunna ou Jama'a se désavoue, c'est de questionner sur le comment des attributs d'Allah. Ce qu'on appelle en arabe tekif. Tekif. Questionner sur le comment des attributs d'Allah Azzawajal. Donc, comment sont ces attributs? Donc, il reconnaît qu'Allah Ta'ala a des attributs. Il reconnaît, il se dit ça, Allah Ta'ala a deux mains. Mais il veut chercher comment sont faites ces deux mains. Comment sont-elles dans la réalité? En telle, telle chose, non telle, pas telle chose, et comme ça. C'est de comprendre le comment. C'est aussi le fait de dire dans son cœur, ou avec la langue, que les attributs d'Allah subhanahu wa azzawajal, sont comme ci ou comme ça. Donc même avec le cœur, si la personne se dit qu'Allah Ta'ala, son attribut de la main est comme ci, ou son attribut de l'œil, par exemple, il est comme ça, donc c'est très grave pour lui. Parce que Sunna ou Jama'a se désavoue de ces deux principes. De ces deux principes. Il se désavoue bien sûr des gens qui yani, pensent yani, ce que pensent comme ce qu'il y a dans ces deux principes. D'ailleurs, on continue. L'anthropomorphisme, t'kif, l'âme. Et aussi. Nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allah an nafsihi. وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وأن النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ممكن لام ici donc كمال لكمال ضده ce qui veut dire nous nions tout ce que Allah Azza wa Jalla Trio a nié à son sujet de même que tout ce que a nié yani de lui Azza wa Jalla son messager عليه الصلاة والسلام et que cette négation implique l'affirmation de la perfection du contraire. Bien sûr. Pour comprendre cela, on va dire, on va donner par exemple un exemple. Allah Ta'ala, par exemple, nie de lui, par exemple, qu'il a l'épouse. Donc nous, nous nions tout ce que Allah, le Très Haut a nié à son sujet. Il a dit qu'il n'avait pas l'épouse. On dit que Allah Ta'ala n'a pas l'épouse. Il dit qu'il n'a pas l'enfant. Donc on va dire Allah Ta'ala n'a pas d'enfant. Il dit qu'il n'a pas besoin de qu'on lui donne de subsistance. Ma uridu minkum min rizq. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Il dit qu'il ne s'est pas fatigué. Il dit qu'il n'a pas de somnolence, pas de sommeil. Tout ce que Allah Azza wa Jal, c'est nié à son propre sujet en parlant de lui, nous aussi on doit le nier, le refouler. De même que son messager, tout ce qu'il dit que Allah Ta'ala n'a pas, on doit dire nous aussi et nier et dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ce qu'a dit, son prophète qu'il n'avait pas. Et que cette négation, comme on l'a vu dans le cours passé, on a insisté sur cela, c'était pas une négation pour une négation. Car on ne fait pas d'éloge à quelqu'un en lui citant des négations. Mais on fait des éloges en lui citant des affirmations. Donc, toute négation qu'il y a dans les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour la négation. Mais c'est pour affirmer la perfection du contraire. Affirmer la perfection du contraire. Si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de tort, ce n'est pas pour dire qu'il ne fait pas de tort, mais c'est pour affirmer la perfection du contraire. Quelqu'un qui fait de l'injustice, c'est quoi le contraire? Le contraire, c'est quelqu'un qui est juste. Donc c'est, Allah Ta'ala s'il dit qu'il n'est pas injuste, ce n'est pas juste pour dire qu'il n'est pas injuste,
Mais pour que tu saches qu'il est juste, qu'il est équitable, dame. Dame. S'il dit que il s'est pas fatigué, c'est pas pour que tu saches qu'il n'est pas fatigué. Pour que tu saches que Yanni, c'est vraiment lui, Yanni, le puissant. Dame. S'il dit qu'il ne dort pas, c'est pas pour que tu saches qu'il ne dort pas. Mais pour que tu saches que il a le qiyomiya la plus parfaite. Le fait de gérer Yanni, ce monde. Nam. Quelqu'un qui ne dort pas, c'est pas un. Nam. C'est pas une éloge de dire à quelqu'un tu ne dors pas. Mais en disant que Allah Ta'ala, c'est lui le qiyom. Nam. Voilà Yanni, la vraie, Yanni, la vraie façon de faire des éloges bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continue. Non. Il y a aussi une chose, il y a aussi une chose. Non, il a dit ici. Wa naskutu, non, wa naskutu amma sakata anhu Allah wa rasuluh. Et nous nous taisons sur tout ce à propos de quoi si tu Allah Azzawajal et son message. Tout ce que, toute chose, tout attribut, tout, à propos de quoi Allah Ta'ala si tu, il n'a pas parlé, et son messager n'a pas parlé, nous, nous ne parlons pas. Nous nous taisons. Nous nous taisons. Et nous pensons que suivre cette méthodologie et certains devoirs et une obligation. Car ce que Allah Azzawajal a affirmé ou nié à son propos est une information par laquelle il informe à son sujet et il est le mieux à se reconnaître pour parler de lui-même. Donc sa parole est véridique et son récit, Azzawajal, est parfait. Et ses serviteurs ne peuvent le cerner de leur science. Et ce que le messager, alayhi lui aussi a affirmé à Allah Azzawajal, ou bien nié de lui, à son sujet, c'est aussi une information par laquelle il informe sur son Seigneur. Donc le prophète, alayhi quand il dit qu'Allah Ta'ala a tel attribut, il informe. Et quand il dit aussi qu'il n'a pas, tel attribut, il informe. Comme lorsqu'il a dit, alayhi dans un hadith authentique, il a dit Allah Ta'ala, la yanam. Ne dort pas. Il a imbari là-haut un yanam. Donc quand il a dit la yanam, il nie de lui que Allah Ta'ala, yani, dorme. Donc ça aussi c'est une information. Donc l'information peut être yani, dans le positif ou dans la négation aussi. C'est-à-dire dans l'affirmation et dans la négation. Pourquoi on doit le croire, alayhi car il est le mieux renseigné, le plus véridique, et le plus éloquent de toute la création. Donc, le mieux renseigné. Qui est le plus proche d'Allah Azzawajal? Nous, ou bien ces messagers. Ces messagers. Non. Et Mohammed A.S. est le meilleur. Non. Donc, il est le mieux renseigné. Le plus véridique. Nous tous, il nous arrive de mentir. Non. Est-ce que le prophète A.S. ou les messagers mentent? Jamais. Non. Et le plus éloquent de toute la création. Le plus éloquent, hein, c'est-à-dire, quand il parle, il ne peut pas faire de faute. Donc, quand il dit des choses, elles sont claires, naam, et des phrases succinctes, naam, mais qui contiennent beaucoup, beaucoup de sens. Naam, c'est pas la peine de dire yani, 5 phrases pour faire passer yani, une idée. Non. Peu de mots et beaucoup de sens. D'abord, peu de mots, beaucoup de sens. Naam. Donc c'est lui le plus éloquent, alayhi salatu salam. Enfin, dans les paroles d'Allah Azzawajal, le Très-Haut, et de son messager, alayhi salatu salam, se trouve la perfection du savoir, de la vérité et de la clarté. Par conséquent, il n'y a aucune excuse valable pour réfuter cette vérité, ou bien hésiter à l'accepter. Une seconde. Non. Quand il a dit, nous nous taisons sur tout ce à propos de quoi Allah Azzawajal situe et son messager. C'est-à-dire que, non,
On n'a pas le droit de parler, hein, dans quelque chose que Allah Ta'ala n'a pas cité, ni son prophète aussi, alayhi salatu wa sallam, a cité. Surtout, dans les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. En manière générale, dans la aqida. On ne parle qu'avec Yani, Allah a dit, son messager a dit, ça, dans la aqida. Alors, qu'en est-il maintenant dans les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imagine, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un parle de sa tête? Il va décrire Allah subhanahu wa ta'ala de choses qui ne lui conviennent pas. Par exemple, hein, par exemple, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, est nerveux. Il va dire Allah ta'ala est avare. Allah. Qui t'a dit de dire ça? Mam, qui t'a dit de dire ça? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Il y a un hadith qui dit que Allah ta'ala est comme ça? Et le contraire aussi, le contraire aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a nié de certaines choses de lui, certains attributs de lui, et la personne ne va pas les nier. Non, ne va pas les... alors que Allah Ta'ala les nie. C'est pour ça que il ne faut jamais parler dans l'aqida et aussi dans les noms et les attributs que si on a quoi? Si on a un verset et un hadith. Un verset et un hadith. En tout, ce que nous avons cité parmi les attributs de l'Azza wa Jalla très haut, de façon globale ou détaillée, par affirmation, par négation, nous sommes sur la voie du Coran et de la Sunna de notre prophète, alayhi salatu wa sallam. Et nous sommes aussi sur le chemin des selfs, hein, de la communauté des imams bien guidés venus après eux. Nous pensons qu'il est obligatoire de laisser les textes du Coran et des hadiths à ce propos sur leur sens apparent et de les comprendre dans leur signification véritable comme il convient à la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc, Al-Sunna al-Jama'a laisse les textes d'après leur sens apparent et ne commence pas à déformer, à interpréter, à nier, à altérer le sens. Naam. Si Allah Ta'ala dit, il s'est établi, ils disent, on atteste qu'Allah Azza wa Jal a comme attribut l'établissement au-dessus du trône. S'ils disent qu'on trouve dans les textes qu'Allah Ta'ala a la main, on dit Allah Ta'ala a la main. On trouve dans les textes qu'Allah Ta'ala rit, on dit Allah Ta'ala rit. On trouve dans les textes qu'Allah Azza wa Jal descend, on dit Allah Ta'ala descend. On trouve dans les textes qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala s'étonne, on dit Allah Ta'ala s'étonne. Mais dans tous les cas, on dit de la façon qui lui convient. Pas comme nous. Pas la main comme notre main. Pas des yeux comme nos yeux. Pas la descente comme notre descente. Pas il s'étonne comme notre étonnement. Pas il rit comme nous rions. Et comme ça. Mais de la façon qui lui convient. Non, la façon la plus belle, la plus convenable. Non. Donc, laisse les sens dans leur sens apparent. Et ne falsifie pas, n'altère pas, comme j'ai dit, ne déforme pas, Naam. Il a dit, nous désavouons la voie prise par les déviateurs de ces propos, ceux qui les ont déviés de leur sens, contrairement à ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète ont voulu. Naam. Allah Ta'ala, par exemple, il dit dans le Coran, wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan. Allah Ta'ala est venu, ou la vient, ou le malaïka, et les anges, rang par rang. Non, mon rangé, disons. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, Allah Ta'ala vient, ou la viendra, et les anges. La sunna, ils disent, yani, atteste l'attribut de la venue de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala viendra, yani, yom al-qiyama. Les gens de la bida disent, c'est pas lui qui va venir. C'est son ordre. Ou bien sa rahma, sa miséricorde qui va venir, c'est pas lui. Allah Ta'ala, d'après son prophète, alayhi salam, dans le hadith authentique, il dit que dans le dernier tiers de la nuit, il descend. Les sunna ou jama'a disent, Allah Ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit, d'une façon qui lui convient. Les gens de la bid'a disent, c'est pas lui qui descend. C'est son ordre. Ou bien sa rahma. Non. Et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévient. Dévie les sens.
Si ce n'était pas lui qui descendait, est-ce que ce serait difficile pour le prophète, qui est le plus éloquent parmi les Arabes, de dire que, par exemple, quand c'est le dernier tiers de la nuit, la rahma d'Allah descend. Quand c'est le dernier tiers de la nuit, l'ordre d'Allah descend. C'est difficile pour le prophète de dire comme ça. C'est pas difficile. Pourquoi il a dit c'est Allah qui descend. Allah qui descend. Ensuite, juste un exemple. Si on va dire que, comme disent l'Asha'ira et les autres, que c'est pas lui qui descend, c'est pas Allah. C'est sa miséricorde qui descend. Ou là, son ordre. On va dire, dans ce cas, ça devient du kufr. Pourquoi ça devient du kufr? Ça devient du kufr parce que, à la fin du hadith, il est dit, quand c'est le dernier tiers de la nuit, chaque nuit, Allah Ta'ala descend, il dit à ses serviteurs, est-ce que quelqu'un y a... Salam alaikum, cher, vous avez perdu le mic. Donc le cher a eu une déconnexion. Inch'Allah, on attend son retour. Salam alaykoum. Donc, comme je disais dans le hadith, qui dit que, quand c'est le dernier tiers et que Allah Ta'ala descend, il demande à ce serviteur, est-ce que quelqu'un a besoin d'une chose, je la lui donne. Voilà, allez. Jazakallah. À partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre et dit, j'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Je donne à celui qui me demande. Et pardonne à celui qui me demande le pardon. Donc si c'est pas Allah qui dit comme ça, c'est qui? C'est la Rahma. Donc la Rahma est devenue un dieu. Elle dit, si elle est devenue Allah, elle dit, j'exauce les invocations, je donne à celui qui me demande, et je pardonne à celui qui me demande pardon. Ou bien l'ordre, c'est l'ordre qui descend. Donc l'ordre est devenu Allah à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ou bien il y a deux, il y a Allah et il y a l'ordre, et il y a Allah et il y a la miséricorde qui est au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala, hasha ma'adallah. Donc, on est obligé de dire, yani, que le madhhab le plus juste, c'est le madhhab de Al-Sunna ou Jama'a, qui laisse les choses, yani, sur leur sens apparent, leur sens apparent. D'ailleurs, il a dit, nous nous désavouons aussi de la voix des négateurs de ces propos. Ceux qui ont nié le sens apparent voulu par Allah et par son prophète. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de dire maintenant. Naam. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa. Istawa. Regardez comment ça s'écrit, istawa. D'accord. Quand Allah ta'ala a dit Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa. Istawa, ça veut dire c'est établi au-dessus du trône. Istawa. Les gens de la bid'a, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont ajouté juste. Donc, les gens de la bid'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté juste un L, un L, entre le wa à la fin et le alif marsoula. Au lieu de dire istawa, ils ont dit staoula. Naam. Ce qui donne à peu près en français, naam, ça donne istawla. Regardez, istawla. Ils ont ajouté un L. Allah Ta'ala dit Istawa. Istawa. Naam. Eux, ils ont dit Istawla. Allah a dit Istawa. Eux, ils ont dit Istawla. Ils ont ajouté un L. Pourquoi? Ils ont dit Allah Ta'ala ne veut pas dire Istawa. Il veut dire Istawla. Enfin, si tu vas dire Istawa, ça veut dire c'est Madhhab Sunna al-Jama'a, qu'Allah est au-dessus du trône. Pour eux, non. Si tu dis Allah est au-dessus du trône, c'est-à-dire tu lui as donné un endroit. Et Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, ils te disent. Allah n'a pas d'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Istawla. Istawla, qu'est-ce que ça veut dire? C'est accaparé de force. C'est accaparé de force. Donc, c'est plus grave. Ils veulent se sauver du fait de dire Zama, qu'Allah a une place. Et nous, on ne dit pas qu'Allah a une place. On a dit seulement qu'il est au-dessus du trône. Au-dessus du trône, au-dessus des cieux. Naam. Et eux, ils ont dit non. Pour éviter ça, on va dire, il s'est accaparé le trône, istawla. Et nous, on va dire, ça, c'est plus grave. Pourquoi? Car pour s'accaparer le trône, ça veut dire que, il y a un autre Dieu, Naam, qui
a pris la place du trône. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala est venu, naam, et il a déclaré la guerre à cet autre dieu, et lui a enlevé le trône, et il s'est accaparé le trône. Ça veut dire staoula. Comme on dit, staoula bishr al al-Iraq. Bishr, yani, a accaparé, yani, l'Irak. Il est rentré en Irak, il a conquis l'Irak, il a pris l'Irak. Et il a chassé, yani, ceux qui habitaient, ou là, il a chassé le roi, ou là, et comme ça. La même chose. Staoula sur le trône, si on ajoute le L, c'est-à-dire qu'il y avait un autre dieu sur le trône, la Ta'ala l'a chassé, après être entré en guerre avec lui, et il l'a vaincu, il a pris le trône. Ma'azallah, c'est très grave, trop grave. Mais nous, quand on dit Stawa, Allah Ta'ala est au-dessus du trône, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas dit qu'il y avait Moumesset, que Allah Ta'ala touchait le trône, comme moi je touche la chaise quand je m'assois dessus, ou là quand je suis dessus. Ni on a dit il y a le toucher, ni on a dit il n'y a pas, nous on se tait. Mais on dit au-dessus du trône, car le trône, c'est la créature la plus élevée, hein, qui puisse s'élever. Il n'y a pas faute, qui puisse exister. Élevée, il n'y a pas plus haut que le trône. Ensuite, on dit que Allah est au-dessus du trône pour dire que yani, le plus haut vraiment, c'est Allah, ce n'est pas le trône. Non, le plus élevé, c'est Allah, ce n'est pas le trône. C'est pour ça qu'on dit Allah l'A'la, le plus élevé, l'Ali, l'A'la, naam, Subhan Rabbi l'A'la, l'A'la, le plus élevé. Naam. Imagine tout, yani, l'univers, naam. Imagine que quelqu'un puisse monter vers le haut, un kilomètre, 20, 10 000, 10 milliards, 100 milliards, 10 000, 10 000 milliards, naam. Allah Ta'ala est toujours plus haut, naam. Voilà ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit, il est dans le ciel. Non. Et quand Allah ta'ala est dans cet attribut le plus élevé, en même temps, il a un autre attribut, il est mustawin ala l'arsh. Il est au-dessus du trône. Non. On dit ici, et nous nous désavouons aussi de la voie prise par ceux qui exagèrent dans ses attributs, en s'appuyant sur l'anthropomorphisme, temtil, et en remodelant le sens apparent en disant que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont comme ci ou sont comme ça, t'kif. On a parlé tout à l'heure. Non. Il y en a qui, carrément, n'acceptent pas que tu dises que Allah Ta'ala a tel ou tel attribut. Ils n'acceptent pas, par exemple, que tu dises Allah Ta'ala demain. Ils n'acceptent pas que tu dises Allah Subhanahu wa Ta'ala, par exemple, rit ou bien descend. Et d'autres, c'est le contraire. Les anthropomorphistes, c'est le contraire. Tu dis, sah, il a deux mains comme les nôtres. Sah, Allah Ta'ala rit comme notre rire. Allah Ta'ala descend comme on descend. Ma'adallah. Mais Al-Sunna ou Jama'a sont toujours au milieu. Ils reconnaissent les attributs sans faire de ressemblance et d'anthropomorphisme. Ils disent, il a la main, mais pas comme la nôtre. Il rit, pas comme notre rire. Il descend, pas comme notre descente. Non. Et comme ça, dans tous les attributs, Allah Azza wa Jalla. Nous savons de science certaine que ce qui est révélé dans le livre d'Allah le Très-Haut ou dans la sunna du prophète alayhi sallam est vérité. Et qu'il n'existe pas la moindre contradiction entre tout ce qui a été révélé. Car Allah Ta'ala a dit, non, Allah Ta'ala a dit, je vais citer le verset, une seconde. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Nisa 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes, yani plusieurs contradictions. Naam, Allah Ta'ala dit, pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Disez-le bien, naam, et je vais vous donner une preuve qu'il est de moi. Allah Ta'ala dit qu'il est de moi et qu'il n'est pas d'une personne. Comme disent les mouchriquons, ils disent c'est quelqu'un qui l'a écrit, ou bien un poète, ou bien Mohammed A.S. Quelle est la preuve? Il dit, s'il provenait d'un autre qu'Allah,
il trouverait sûrement dans ce livre plein de contradictions. Or, tant que aucune personne dans le monde n'a pu trouver une contradiction dans le Coran, cela veut dire qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est comme lorsqu'il dit Lokana fihima alihatun illallah la fasadata. Lorsqu'Allah ta'ala, par exemple, dit que s'il y avait d'autres dieux, c'est-à-dire à part moi, non, dans ce monde, alors yani, les cieux et la terre, et yani, tout ce serait, yani, disons. Attendez, comment qu'elle a dit en français? En arabe, elle a dit la fesse d'État, c'est-à-dire qu'il serait corrompu. Corrompu. Pourquoi? Imaginez s'il y a deux dieux, deux. On va pas dire trois ou quatre, deux. Qu'est-ce qui va se passer? Celui-là va dire demain, je veux la pluie. L'autre, il dit non, demain, je veux que ça soit ensoleillé. L'autre, il dit demain, je veux créer telle personne, par exemple, de sexe masculin. L'autre, il dit non, je le veux de sexe masculin, je veux que, féminin, je veux que ça soit une fille. L'autre, il dit demain, X doit mourir. L'autre, il dit non, je lui ajoute moi 20 ans. Et comme ça, donc, il y aurait eu, rien n'aurait pu être marché. Rien n'aurait pu fonctionner dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Allah Ta'ala dit, s'il y avait dans ce monde deux dieux, voilà ce qui serait arrivé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? Tant que ces choses-là, cette corruption, n'est pas arrivée, donc c'est une preuve qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala. La même chose ici, lorsqu'il a dit, je vais reprendre le verset ici, lorsqu'il a dit, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait beaucoup de contradictions. Et nous on dit, tant qu'il n'y a, pas beaucoup de contradictions, ni même aucune contradiction, cela veut dire qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'applique aussi à ce que dit Allah Azza wa Jalla et ce que dit son messager. Car son messager ne dit rien de sa tête. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation. Naam. Donc, c'est impossible. Jamais ça ne s'est passé, ça ne peut se passer que le prophète alayhi salatu wa sallam dise quelque chose qui est contraire à ce qu'a dit Allah Ta'ala. Ou qu'Allah Azza wa Jal dise quelque chose qui est contraire à ce qu'a dit son prophète alayhi salatu wa sallam. C'est impossible. Pourquoi? Les deux proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux wahi, révélation. Donc c'est impossible qu'il y ait entre eux, des contradictions. Mais si quelqu'un, par exemple, avait écrit ce livre, imaginez que, par exemple, moi, je vais écrire un livre, et je vais dire que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va se trouver dans ce livre? Des centaines de contradictions. Pourquoi? Parce que ce livre parle de choses, même scientifiques, parle de choses dans la aqida, parle de choses dans la physique, dans la médecine, dans tout. Il parle de choses, jamais aucun savant, par exemple, n'a pu dire ce qu'il y a ici dans ce verset n'est pas vrai. Par exemple, par rapport, par exemple, à comment l'enfant se forme quand il est dans les matrices ou la matrice de sa mère. Comment qu'il se forme, comment qu'il est une goutte, ensuite il devient embryon, ensuite il devient kdakta, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ensuite, il s'accroche comme ça, ensuite des os, ensuite. Non. Quelqu'un qui va écrire ça de sa tête, il ne peut pas savoir tout ça, subhanallah al-adhim. Il ne peut pas rentrer dans le ventre de sa femme ou de son épouse pour voir comment ça se passe. Non. Par rapport aussi à la victoire des Romains, quand Allah Ta'ala a dit Alif Lamim, Roulibati Rom fi Adna al-Ard. Il a dit après leur défaite, ils vont quoi? Ils vont vaincre. Bid' c'est entre 3 et 9. Il a dit entre 3 et 9 ans, dans 3 jusqu'à 9 ans, ils vont se rentrer en guerre avec les Romains, avec les Mouchrikoun, et c'est les Romains qui vont vaincre. Et ça s'est passé comme ça, subhanallah al-adhim. Ça s'est passé comme ça. Et beaucoup de choses, cité dans le Coran et la Sunna, et beaucoup
ont eu lieu déjà, et d'autres yani, ne sont pas encore arrivés, qui vont arriver yani, à la fin yani, des temps, à la fin des temps. Il a dit, les contradictions dans les propos révélés impliqueraient que la révélation comporte des mensonges. Et ceci est impossible à l'égard des propos d'Allah Azzawajal, le Très-Haut, et de son messager, alayhi sallam. Et celui qui prétend que dans le livre d'Allah, le Très-Haut, ou dans la sunna du messager, alayhi sallam, ou entre ces deux, entre le Coran et la sunna, il existe des contradictions, ceci est le résultat de sa mauvaise foi et de l'égarement de son cœur. Qu'il se repente à Allah Azzawajal et qu'il délaisse cet égarement. Non. Même ceux qui se croient za'ma za'ma yani fort en arabe, de tous les temps, ils ont cherché par exemple de trouver des fautes dans le Coran par rapport yani, à la grammaire. Et ils disent ici pourquoi par exemple il y a fetha au lieu de dhamma. En principe il y a dhamma. Pourquoi il y a kasra ici au lieu de fetha? Et comme ça, ils essaient jamais de trouver des fautes. Mais jamais, jamais quelqu'un n'a pu. À chaque fois un homme qui essaie de trouver une faute, on lui montre que c'est lui le djahil. C'est toi le djahil, tu ne sais pas que dans la langue arabe, il existe tel et tel. Non, comme je disais, c'est la personne qui veut critiquer qui est djahila. Il ne sait pas qu'il y a yani, dans les règles d'arabe telle et telle chose est permise, telle et telle chose n'est pas permise. Et lui, il ne sait pas, il a juste un peu étudié 4 ou 5 ans à la Sorbonne. Nam, il a cru que là, ça, il peut trouver des fautes dans le Coran. Il peut même contredire le Coran et prouver qu'il ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'Allah azza wa jalla lui-même s'est trompé, qu'Allah ta'ala nous préserve. Nam. Comme il y a certains gens maintenant qui veulent dire que même. Dans Sahih al-Bukhari, que c'est plein de fautes. C'est plein de choses qui ne sont pas vraies dans Sahih al-Bukhari, le livre le plus véridique après le Coran. Ils disent non, il y a des fautes. Pourquoi? Quand tu n'as plus confiance dans le Bukhari, là c'est terminé. Tu n'as plus confiance dans le Bukhari, ensuite dans Muslim. Ensuite, là c'est les hadiths, donc il n'y a plus. Donc il n'y a que le Coran. Et le Coran, tu vas le comprendre comme tu veux. Chacun ouvre le Coran, le lit et l'explique comme il veut, et l'applique comme il veut, d'après ce qu'il a compris lui. Il n'y a pas de hadith. Allah Ta'ala a dit, « Wa aqimu salat wa atu zakat. » « Aqimu salat » nous demande de prier, n'a pas montré comment. Donc, au lieu de prier 5 fois par jour, moi je vais prier 3 fois par jour. Et il n'a pas dit, « Subh c'est 2, Dhor c'est 4, As c'est 4, Maghrib c'est 3, Isha c'est 4. » Donc je prie comme je veux. 2 le matin, 2 à Dhor, Salat al-Asr, 3 rak'at, et Salat al-Isha, puisque c'est fatigué, je veux dormir, 1 rak'at. Salat al-Isha, c'est 1 rak'at. Pourquoi Allah Ta'ala a dit, prier, et voilà, n'a pas montré comment, les hadiths sont faux, ils ne sont pas véridiques, donc je prie comme je veux. Encore pour les horaires, là. La même chose dans la zakat, quand il a dit, faites la zakat, là, je ne sais pas s'il faut une année pour donner, ou là, tous les mois, je dois donner. Je ne sais pas c'est quoi le seuil. Je ne sais pas dans les moutons combien qu'il faut donner, dans les vaches combien qu'il faut donner. Est-ce qu'on donne dans les chevaux ou on ne donne pas? Naam. Est-ce qu'on donne dans l'or? On ne donne pas. Est-ce qu'on donne dans le diamant, etc. On ne donne pas. Naam. Et chacun va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses passions. Avec ses passions et avec yani, ses tentations. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Non, ensuite il a dit, et celui à qui il lui semble déceler une contradiction dans le livre d'Allah Azzawajal, ou dans la sunna de son messager, ou entre les deux, cela provient soit de son manque de savoir, miskin, c'est un jahil, soit d'une mauvaise compréhension, non, ou encore d'une réflexion insuffisante. Ou encore, j'ajoute, l'auteur ne l'a pas dit, mais je l'ajoute, ou encore parce qu'il a une mauvaise intention. Alors il veut, il dit le Coran
pas pour être guidé par exemple, mais pour déceler des fautes. Alors là, Allah Ta'ala va l'égarer davantage. Naam. Il dit ici qu'il fasse donc des recherches, qu'il accroisse sa réflexion et sa concentration, jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse clairement. Et si la chose n'est toujours pas claire pour lui, alors qu'il la remette à Allah Azza wa Jal. Je dis, ou alors qu'il aille demander aux gens de la science, comme on dit Allah Ta'ala, « Elou al-dikr, inkuntum la ta'lamoun » Demandez aux gens de la science si vous ne savez pas. Et qu'il ne cesse de penser à ce qui lui semble être, et qu'ils disent, comme on dit les gens ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils ont toujours dit? Ils ont dit, Naam. Amanna bihi kullu min 'ind rabbina. Naam. Al-Imran 7, nous y. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah, pour la première question? Tfadl, Fouzi, tfadl. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana. Naam, comme vous n'avez rien dit, on a préféré récupérer quelques questions et elles ont été presque toutes récupérées. Je vous informe que le frère Mahmoud n'est pas là ce soir. Par contre, c'est pas moi qui va lire les questions, ce sera le frère Samir. Et deuxième chose, on a récupéré que quatre questions sur le cours, Cheikh. Quatre questions sur le cours de ce soir et notamment des questions sur des cours précédents. Voilà, c'était juste pour vous avertir. Donc, je laisse le mic au frère Samir Barakallahu fikoum, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question, cher. Une question d'une sœur. Il existe des catégories d'attributs parmi lesquelles les attributs propres à l'entité divine qui sont des attributs dont Allah a toujours été qualifié et il continuera éternellement d'être qualifié par eux. Exemple, la science, le pouvoir, la vue, la puissance, la sagesse, l'élévation, la grandeur. Ces attributs ne peuvent être détachés d'Allah. On le qualifie de manière continue avec ces attributs. Allah a eu la puissance, il l'aura toujours. Les attributs propres à l'acte divin correspondent aux attributs qui se rattachent à la volonté d'Allah. S'il veut, il fait cet acte ou non. Exemple, le fait qu'il descende. On ne peut pas dire qu'Allah a la science s'il le veut, car il l'a toujours. De la même manière, sommes-nous dans l'erreur si nous disons simplement qu'Allah descend sans préciser s'il le veut? Serait-ce une façon de ne pas considérer les attributs d'Allah avec exactitude? Comme tafad dans le shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, je vais lire la question parce que quand tu étais en train de lire, je n'étais pas là. Une seconde. Sahahan. Sahahan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vais lire la question, inshallah ta'ala. Il existe des catégories d'attributs parmi lesquels les attributs propres à l'entité divine sont des attributs dont Allah a toujours été qualifié et continuera éternellement d'être qualifié par eux. Exemple, la science, le pouvoir, la vue, la puissance, la sagesse, l'élévation, la grandeur. Ces attributs ne peuvent être détachés de Allah subhanahu wa ta'ala, ça. On le qualifie de manière continue avec ces attributs, ça. Allah a eu la puissance et il l'aura toujours, ça. Les attributs propres à l'acte divin correspondent aux attributs qui se rattachent à la volonté d'Allah. S'il veut, il les fait. Il fait cet acte ou non. Ça, ce sont les attributs de l'acte. Exemple, le fait qu'il descende. On ne peut pas dire qu'Allah Ta'ala a la science s'il veut, car il l'a toujours. De la même manière, sommes-nous dans l'erreur si nous disons simplement qu'Allah descend sans préciser s'il le veut? Serait-ce une façon de ne pas considérer les attributs d'Allah avec exactitude? Pas très clair à 100% pour moi. Ce n'est pas très clair à 100% pour moi. Mais je dis, ensuite la personne qui a posé cette question me dit si c'est ce qu'elle a voulu ou pas. Je dis, Al-Sunnah al-Jama'a disent, les attributs d'Allah se divisent en deux. Attributs de l'entité, l'âme, attributs de l'acte.
ou bien attribut de l'essence et attribut de l'acte. La différence entre les deux, c'est que les attributs de l'entité ont toujours été avec Allah subhanahu wa ta'ala et seront toujours, comme a dit la personne, indétachables d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tanfasil anillahi subhanahu wa ta'ala fa hiya fil azal na'am cette prédit l'abad. Lakin, les attributs de l'acte, ce sont des attributs qui dépendent de sa volonté. Si Allah ta'ala veut, il les fait. S'il ne veut pas, il ne les fait pas. Et maintenant, quand il veut, il les fait. C'est pas la peine de dire que yani, Allah ta'ala a voulu ou il n'a pas voulu. On dit Allah ta'ala descend, Allah ta'ala yani, rit, Allah ta'ala se met en colère, Allah ta'ala yu'adib. Non, ce sont des yani, qui ont rapport à la volonté, mais c'est pas la peine de citer la volonté avec eux. Il suffit de dire que Allah ta'ala rit, il suffit de dire que Allah ta'ala descend, Allah ta'ala yani puni, Allah ta'ala châti. Naam, ce sont des attributs de l'acte qui dépendent de sa volonté. Maintenant que Allah ta'ala a voulu les faire, naam, ce n'est pas obligé de dire, et ce n'est pas faux si yani, on ne cite pas qu'ils ont été faits avec sa volonté, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Fadlal, si ce n'est pas clair ou que la personne voulait autre chose, qu'elle ne le dise. Donc, deuxième question, cher. Quand Allah descend le dernier tiers de la nuit, il descend par son essence, avec ou sans le trône? Barakallahu fikum. Quand Allah Ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, c'est lui qui descend Azza wa Jal. Naam. Avec son entité et son essence. C'est lui. Naam. C'est pour ça que Sunna dit bidatihi. Naam. Ce n'est pas obligé de le dire, mais s'il faut le dire, Sunna dit bidatihi. Si, pourquoi? Si d'autres disent c'est pas lui qui descend. Naam. On dit, par exemple, c'est sa rahma qui descend, on dit non, c'est lui qui descend, naam, de par son essence. Naam, lui-même, bidatihi. Avec ou sans le trône, naam, sa descente n'a rien à voir avec le trône. Mais les savants ont divergé sur le fait, est-ce que quand il descend, le trône se vide ou pas? Mais, ils n'ont pas dit est-ce qu'il descend avec le trône ou sans le trône. Ils ont toujours dit c'est lui qui descend. C'est lui qui descend. Ça n'a rien à voir avec le trône. Mais ce qui a à voir avec le trône, c'est lorsqu'il descend. Est-ce que le trône se vide ou ne se vide pas? Certains ont dit le trône se vide, comme Ibn Mendah, rahimahullah. L'autre ont dit il descend sans que le trône se vide. C'est l'avis de Cheikh Islam Taymiyyah. Et d'autres ont dit, on se tait. On ne dit ni le trône se vide, ni il ne se vide pas. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Naam, tfadl. Troisième question. Assalamu alaikum. J'ai du mal à comprendre l'attribut d'Allah ta'ala qui est celui de l'orgueil. Pourriez-vous m'aider à comprendre cet attribut? Barakallahu fikum. Tafadl, Cheikh. Naam. L'attribut de Allah subhanahu wa ta'ala de l'orgueil, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas, yani, comme notre orgueil à nous. Naam. Donc, quelqu'un, on dit de nous, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux, c'est dans le sens négatif. C'est pas bien. D'ailleurs, celui qui a la, parmi nous, celui qui a l'attribut de l'orgueil, ça veut dire qu'il est sujet à rentrer à Jahannam, ul'iyadu billah. Parce que dans le hadith authentique, celui qui a, yani, un atome d'orgueil, naam, il rentrera pas au paradis. Vous connaissez le hadith sahih. Mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas cet orgueil-là. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il est orgueilleux, naam, yani, ne lui convient pas, par exemple, de faire des péchés. Ne lui convient pas de faire le zulm. Ne lui convient pas de faire d'injustice. Naam, Allah ta'ala, et yani, au-dessus de cela, en ce sens, c'est lui l'orgueilleux. En ce sens, naam. Et c'est pas l'orgueilleux comme l'orgueil qu'on a nous, qui est quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif et qui fait rentrer à Jahannam ou l'ayyadu billah. Naam. Tfadl. Quatrième question. Est-ce que chaque génération était consciente de ce qu'ils étaient, rahimahumullah, y a-t-il des nosos à ce sujet? Et concernant la question de deux ou trois générations, est-ce qu'il y a un avis plus fort que l'autre chez les ulama? Barakallahu fikum, Shaykhana.
passe à la quatrième question et demande à celui qui a posé cette question de reformuler d'une autre façon, car je n'ai rien compris à cette question. Non, تفضل. Donc, cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus pour la science bénéfique que vous propagez, ainsi qu'à votre femme. Amin. Si j'ai bien compris le cours sur la vision d'Allah, seuls les munafiqoun verront Allah en colère contre eux, Yawmul Qiyamah. Y a-t-il des preuves à ce sujet? Barakallahu fikum. Par rapport à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Yawm al-Qiyamah, il faut savoir que Yawm al-Qiyamah, il y a dans Yawm al-Qiyamah, rentre dans Yawm al-Qiyamah, il y a ce qu'on appelle l'Arasat, la terre, c'est-à-dire qui sera dénudée. Il n'y aura rien sur elle, ni arbre, ni bâtiment, ni poteau, ni rien, ni rien. Ensuite, c'est là, il y aura une vision. Ensuite, il y a la vision des gens du paradis. Quant à la vision des gens du paradis, ils sont tous d'accord que yani seul le croyant verra Allah Ta'ala dans le paradis. Pourquoi? Parce que seul le croyant rentrera au paradis. Ni le munafiq, hypocrite, ni le mécréant, qui n'est pas hypocrite, ne rentrera au paradis. Donc, le sujet yani, par rapport à la vision du paradis, Inch'Allah Ta'ala, il est simple et clair. Seuls les croyants rentreront au paradis, donc seuls les croyants verront Allah Ta'ala au paradis. Pour Arasat, yani, le moment du jugement, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que, ah, bon, les savants sont unanimes que pendant l'Arasat, yani, pendant le jugement, que les croyants verront Allah Ta'ala, Saha. Mais il y a maintenant une divergence. Est-ce que, non, les hypocrites, non, parce que les hypocrites se mettront du côté des croyants, car les hypocrites, ce sont des gens qui priaient, qui allaient au Hajj, qui donnaient de la zakat, mais c'est pour ça qu'ils vont se mettre du côté des croyants, croyant que. Salam alaikum. Alhamdulillah. Je disais que. Naam. Voilà, je disais que lors du jugement, Sunna Jama'a disent que les hypocrites verront Allah subhanahu wa ta'ala, car les hypocrites se mêleront aux croyants. Mais ils disent que la vision ne sera pas la même par rapport aux croyants, naam, et par rapport aux hypocrites, ce n'est pas la même vision. Par rapport aux hypocrites, ce sera une vision de colère, ils verront Allah Ta'ala en colère contre eux. Par rapport aux croyants, non, ils le verront, il y a une vision normale, mais ce ne sera pas la même vision que lorsqu'ils le verront dans le paradis. Quand ils le verront dans le paradis, une vision de joie, la vision plus parfaite. La plus parfaite, c'est pour ça que ce sera la plus grande ni'ma qui puisse exister. C'est mieux que de voir les houris, que c'est mieux que de boire du vin de l'achol du paradis, c'est mieux que de boire de manger du miel du paradis, c'est mieux que toutes les grandes ni'mas. Toutes les ni'mas qui puissent exister, il n'y a pas plus grande ni'ma que voir Allah Ta'ala dans le paradis. Mais les croyants, quand ils verront Allah Ta'ala le jour du hisab, bien sûr, le jour du jugement, ils auront peur, ils auront beaucoup peur, etc. Mais quand même leur vision d'Allah est mieux que leur vision, est mieux que la vision des hypocrites d'Allah Ta'ala. Car ils le verront en sachant dans leur cœur que, yani, ils voulaient tromper Allah et qu'ils ne sont pas des croyants et qu'ils sont juste en train de bluffer et que Allah Ta'ala va yani, mettre à nu leur complot et que Allah Ta'ala va yani, les dévoiler aux gens. Reste, ça c'est par rapport aux hypocrites. Reste par rapport aux mécréants qui ne sont pas hypocrites. Certains savants ont dit eux aussi ils vont voir Allah et d'autres ont dit que non, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est yani, spécifique aux hypocrites et pas à tous les mécréants. Mais
Elle est spécifique seulement aux hypocrites. Parce que les hypocrites ont quelque chose en ce qu'on appelle l'islam aussi. Yani apparent. Apparent. Naam. Sinon, dans leur cœur, ce sont des kofars. Ils ont dit, en ce sens, ils vont voir Allah Ta'ala, mais, comme on a dit la fois passée, une vision de colère. Naam. Et si la personne qui a posé cette question veut, yani la preuve que les hypocrites vont voir Allah Ta'ala, à part que je lui ai dit que Madhab al-Sunna al-Jama'a sont unanimes pour dire que les hypocrites voient Allah Ta'ala. Mais s'il veut le délil aussi, le délil du hadith ou là, je peux le lui donner, qu'il demande seulement maintenant, et j'arrêterai les questions-réponses et je rentrerai dans un programme et je lui chercherai le hadith, inshallah Ta'ala. Qu'il me rende seulement la réponse. On passe, inshallah Ta'ala, à la prochaine question. Tfadlal. Barakallahu fikum. Sixième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Hafizakumullah. Mon fils voudrait savoir pourquoi le pantalon ne doit pas dépasser la cheville. Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le pantalon ne doit pas dépasser les chevilles car c'est une sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique que yani l'izar autrefois on ne mettait pas le pantalon, on mettait yani ce qu'on appelle rida, c'est-à-dire la cape et l'izar. L'izar, c'est. Qui peut me rappeler comment on dit ça en français? Izar, c'est pas lampon, lampon c'est le chibre, quelque chose qui ressemble à ça. Un mot comme ça, comme lampon, comme j'ai oublié comment on dit ça. C'est pas. Une seconde. Le pagne, jazakallahu khair. Le pagne, non, moi j'ai dit lampon, lampon c'est le chibre. Donc le pagne c'est l'izar. Autrefois, donc le hadith, Nabi a dit que le pagne du musulman, du croyant, ne devait pas, yani, descendre au-dessus des chevilles. Il a dit pourquoi? Il a dit car, et maintenant il n'y a pas de pagne, il y a le pantalon. Si le pantalon descend au-dessous des chevilles, il a fait un interdit. Il a dit ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Sera en enfer, et bien sûr, ce n'est pas le pantalon qui va rentrer tout seul en enfer, il ne peut pas rentrer tout seul en enfer, mais c'est yani, la personne elle-même, ou alors son pied, et même le pied ne peut pas rentrer tout seul en enfer. El-Mohim, il a dit, ce qui est au-dessous des chevilles sera en enfer. Et il a montré pourquoi, c'est quoi la cause? La cause, comme il a dit yani, dans le hadith authentique, il a dit que. Ça rentre dans le khouyala. Ça rentre dans, yani, comment ça s'appelle? Peut-être que ça s'appelle l'orgueil. Yani, quelqu'un, ça rentre dans, yani, ce qu'on appelle, yani, bon, c'est clair, il a dit le khouyala. Le khouyala, c'est le fait de se vanter. Voilà. Le fait de se vanter. C'est ce que je voulais dire. Yani, s'estimer, yani, s'auto-estimer que je suis le meilleur, je suis grand, et comment ça, yani, se pavaner, hein, ça rentre aussi dans la vantardise, ça rentre dans l'orgueil, tout ça c'est haram. Hein, parce que, yani, même peut-être la personne va dire, mais moi j'ai pas dans l'intention l'orgueil, j'ai pas. Mon intention est bonne, je le mets juste parce que, yani, il me plaît quand il descend au-dessous des chevilles. On dit, nous, yani, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous, on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui on va revenir. Puisqu'on appartient à lui, et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous commande. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Les paroles, ce qu'on doit dire quand on parle, ce qu'on ne doit pas dire. Yani, comment on doit s'habiller, comment on ne doit pas s'habiller. Et comme ça, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous commande. Il nous a dit, toute personne qui met, tout homme, qui met quelque chose au-dessous des chevilles, ça rentre dans la vantardise, s'il le veut ou pas, même s'il a une bonne intention. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Sami'na wa ata'na. Nous, si vraiment on veut appliquer, yani, on obéit à notre prophète, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala,
et on ne cherche pas à philosopher. Je donne un exemple, un deuxième exemple peut-être pour faire comprendre yani, davantage. Il y a, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit qu'on prie, la nafila pendant le moment où le soleil se lève. Pendant, disons, le quart d'heure, il lui faut à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour que le soleil yani, sorte vraiment yani, derrière les montagnes, etc. Hein? À ce moment, quand il est en train de se lever, on ne le voit pas encore, on voit yani, les rayons. Hein? Jusqu'à un quart d'heure à peu près, il est interdit de prier. Nafila. Pourquoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, car pendant ce temps, yani, il y a des gens qu'on appelle les adorateurs du soleil qui vont donc se prosterner pour adorer ce soleil qui est en train de se monter. Et là, le shaitan va profiter et va se mettre yani, derrière la montagne parce qu'il a deux cornes. Et va mettre les cornes derrière la montagne pour que le soleil, quand il se lève entre les cornes du shaitan. Donc, nous, les musulmans, quelqu'un peut dire, Ya Allah ou bien Ya Rasulallah, moi je vais prier Nafila, pas avec l'intention de ressembler aux adorateurs du shaitan. Et d'ailleurs, le shaitan, on ne le voit même pas, on ne le voit même pas. Yani, si on va essayer de vouloir le voir, on ne peut pas. Shaitan, personne ne le voit, ni voit ses cornes. Non. Mais malgré cela, malgré ta bonne intention, malgré que tu ne veux pas ressembler aux adorateurs de feu, et malgré que tu ne peux pas voir le shaitan qui a mis ses cornes, nam, pour que le soleil monte entre ses cornes, malgré cela, c'est interdit. Donc, tu dois dire, Sami'na wa ata'na. J'ai entendu, j'applique. Je ne prie pas Nafila pendant le temps où les adorateurs du soleil l'adorent. Et je ne dois pas dire j'ai une bonne intention et ceci, cela. Nous avons entendu, nous avons obéi. Je ne prie pas. La même chose ici pour le pantalon. Il t'a dit c'est haram, c'est haram. Il t'a dit que celui qui le fait descendre sous les chevilles entrera en enfer pour être yani, puni pour avoir fait cette chose. Et pour yani, faire que son pied brûle, etc. Je dis, yani, j'ai entendu, j'obéis. Naam, ya Rasulallah, je ne fais pas cette chose, c'est interdit, et ça s'arrête là. Les autres, non, ils vont philosopher. Naam, mais moi, j'ai une bonne intention, moi, mon intention, c'est pas ceci, et moi, si je le mets, yani, je le monte au-dessus des chevilles, maintenant, je suis complexé devant les gens, je vais dire comment, tout cela, les gens ne vont pas t'aider demain quand tu seras entre les mains d'Allah Ta'ala. Les gens ne vont pas, naam, te faire sortir de l'enfer quand Allah Ta'ala va te jeter en enfer. Personne ne viendra à ton secours et te dira, moi aujourd'hui, naam, je vais te sauver. Donc, je vais essayer de sauver ma peau. Et ensuite, comme disaient les savants, quand je le mets, ils disent, la sunna, par rapport au pagne, c'est à la moitié, yani, du tibia. C'est pas seulement, yani, je le monte seulement sur les chevilles, mais c'est à la moitié, yani, du tibia, par rapport au pagne, les ézars. Mais si maintenant, yani, c'est un pantalon, nam, ou bien c'est un kamis, c'est juste au-dessus des chevilles. Quelque, yani, 1 cm, 2 cm au-dessus des chevilles, ça suffit, bi-idhnillah. Et ensuite, maintenant, vous avez remarqué, yani, les koufars et les gens de la mode et je ne sais qui, maintenant, ils mettent des pantacourts. C'est pas seulement au-dessus des chevilles, c'est yani, presque au genou. Et ils n'ont pas honte. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Ah, quand c'est la mode maintenant, yani, ma'lish. Ah, quand c'est la mode, ça ne fait rien. Pour yani, ressembler à je ne sais qui, ou là, Michael Jackson, ou là, à Messi, ou là, Ronaldo, ou là, je ne sais pas qui. Ma'lish, non. Quand je le fais monter, yani, presque au genou. Et quand c'est le prophète qui dit, yani, les gens rient, les gens yani, se moquent et je ne sais pas quoi. La même chose pour la lahya. La lahya. Hein, quand quelqu'un va laisser pousser la lahya, on va rire de lui, on va se moquer de lui, on va dire c'est quoi ça? Vous allez revenir au temps obscur, au temps de des coffards, au temps de cas.
Mais quand ce sont des joueurs comme Messi, Ronaldo et tous les acteurs maintenant et tous les chanteurs qui laissent pousser la barbe et que moi, je veux les imiter, je laisse ma barbe comme maintenant la plupart je vois ici, chez vous, je ne sais pas, je ne suis pas venu, chez nous en Algérie, la plupart des jeunes, à 95%, maintenant ils sont avec la barbe. Pourquoi? Pour imiter des coiffards. Je ne sais pas qui exactement parmi les coiffards maintenant a la barbe. On m'a montré que Messi, le footballeur, on m'a montré que maintenant il a laissé pousser sa barbe. Je dois penser que sûrement il y a beaucoup d'autres acteurs là qui ont la barbe. Donc maintenant les jeunes, ils imitent. Hein, les musulmans imitent les coiffards et laissent pousser la barbe. Pourquoi? Pour faire plaisir aux coiffards. Mais pour la laisser pousser à cause du prophète Islam pour l'imiter, non. Non, il a honte et il dit que vont dire de moi les gens, etc. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et fortifie notre foi. Non. Tfadl. Barakallahu fikum, Shaykhana. Question numéro 7. Question aqida d'un enfant de 13 ans. Hafizahullah. Comment Allah nous a créés? Avec ses mains? Jazakumullahu khayran. Si c'est possible d'afficher la question, car j'étais en train de lire ce qu'a dit ici, la sœur qui a posé la question sur le Munafiqin, elle a dit tu peux répondre au cheikh que, alhamdoulilah, la réponse est complète et très claire. Donc j'étais en train de lire ça. Donc si c'est possible de, ou bien tu affiches la question, ou bien tu relis, tu me fais réentendre la question. Donc, question numéro 7. Ah, ben, ils ont posté. À Kouli Hal, je relis, on sait jamais. Question numéro 7. Question aqida d'un enfant de 13 ans. Comment Allah Azzawajal nous a créés? Avec ses mains? Jazakumullahu khayra. Allah Ta'ala a créé notre père Adam, que les autres appellent Adam. Adam alayhi salam, il l'a créé, hein, de ses propres mains, Azza wa Jal. Comme il a écrit la Torah de ses mains. Comme il a créé Jannatu Adn aussi de ses mains. Naam. Donc, il a planté ce qu'il y a dans la Jannah de ses mains. Donc, notre père Adam alayhi salam a été créé de ses mains. Et Allah Ta'ala ne lui a pas dit soit il est devenu, comme il a dit aux montagnes, comme il a dit aux arbres, comme il a dit, nam, et il leur dit soyez et ils sont. Kun fayakun. Par contre, Adam alayhi salam, non. Il l'a créé de ses propres mains. Nam. Quant à nous, il nous a créés comme il a cité dans le Coran. Nam. C'est-à-dire que Yani, la relation entre l'homme et la femme, et ensuite la goutte dans le ventre de la mère, ensuite qui commence à évoluer. Première étape, deuxième étape, nam, yani, mudra, ensuite alaqa, mudra, ensuite yani, edam, ensuite. Comme si ça a été décrit dans le Coran, en deux ou trois versets. Allah Ta'ala dit que yani, il nous a créé de. Yani, par étape. Quant à notre père Adam alayhi salam, lui seul a été créé de sa main. Et son épouse, qui est Hawa, qui est Ève, a été créée de sous les selles, yani un peu plus bas, yani gauche, de Adam alayhi salam. Elle est sortie, yani, de cet endroit-là. Sinon, nous tous, on a été créés entre l'union de notre père avec notre mère. Naam. Tfadl. Barakallahu fikum, Shaykhana. Huitième question. Dans le récit du jour où les croyants verront Allah, relaté par Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, Allah rira et dira: où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu? Comment comprendre le pourquoi Allah rira à ce moment? Yani, pourquoi Allah il rira à ce moment? Jazakumullahu khayran. Ibn al-Qayyim qui a relaté ça, je pense, Wallahu ta'ala, qu'il n'a pas cité yani, le hadith sahih. Yani, est-ce qu'il y a un hadith sahih en ce sens? Bon, maintenant, je ne me rappelle pas très bien s'il y a un hadith sahih en ce sens que Allah ta'ala va rire
en cet instant-là. Mais si, s'il y a un hadith authentique, Allah, qui va citer qu'Allah Ta'ala rira en ce moment, ça veut dire qu'il, si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il est, yani, content de, yani, des gens qui lui ont obéi. Naam. Il est content des gens, car quand Allah Ta'ala rit, si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il va pas, yani, ça veut dire qu'il va, yani, rétribuer les gens envers lesquels il a ri, il va les rétribuer en bien. Allah Ta'ala ne va pas rire à quelqu'un, par exemple, et le jeter en enfer. S'il va lui rire, ça veut dire que il va le rétribuer en bien. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un sahabi, certains ont dit authentique, certains ont dit bon, mais dans tous les deux cas, alhamdoulilah, yani, on prend ce hadith. Et il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, où un sahabi, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah ta'ala riait, qu'Allah ta'ala avait l'attribut du rire, qu'a dit ce sahabi? Il a dit: Idan lan na'dama min rabbin yadhak khayran qat. Ou bien khayran. Il a dit: Puisque, ya Rasulallah, tu dis que Allah ta'ala rit, parce que ce sahabi ne savait pas. Donc il a dit: On ne manquera jamais, naam, de bien d'un Dieu qui rit. Si Allah Ta'ala, tu dis à Rasulallah qu'il rit, donc, Allah, il y a un Dieu qui rit, donc, il ne nous manquera jamais de bien de lui. C'est dire que, comme je viens de dire tout à l'heure, si Allah Ta'ala rit, ça veut dire que il est content de toi et que, il va te rétribuer en bien. Mais par contre, si Allah Ta'ala est en colère, ça veut dire que sûrement il va pas te faire entrer au paradis, mais qu'il va te jeter dans le feu, ou bien te faire, yani, punir par des choses, yani, qui sont atroces. Allah Ta'ala nous préserve. Tfadl. Barakallahu fikum, Cheikh. Deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon époux prie dans une mosquée où l'imam, en prière, est dirigé vers la Qibla, dans l'angle du mur. Et les fidèles sont dirigés différemment, face au mur, et non vers la Qibla comme l'imam. Le responsable de la mosquée évoque comme raison la disposition de la moquette, qui ne permet pas de prier comme l'imam. Et il utilise le hadith, la Qibla est entre l'est et l'ouest. Alors que la mosquée est grande et les fidèles peuvent largement prier face à la Qibla comme l'imam. Mon époux a essayé de raisonner l'imam sans succès. Merci de nous éclairer à ce sujet. Comment doit-il prier? Ceci est-il légiféré? Barakallahu fikum. Tafadhal, Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème se trouve peut-être, Wallahu alam, presque dans tous les pays du monde. Cher, vous avez perdu le mic. Salam alaikum, vous m'entendez? Voyez. Maintenant, quand ils vont, par exemple, construire une ville ou là, quand ils vont construire une ville, par exemple, et dans cette ville, ils vont construire une mosquée, c'est... Non. C'est difficile à expliquer parce que ça a besoin de mots, yani, de mots spéciaux à, yani, en rapport avec les mathématiques ou plutôt, yani, l'architecture. Difficile à expliquer. Mais je vous donne à peu près une idée comme ça, peut-être vous allez comprendre. Non, voilà, il y a une, par exemple, une rue qui monte comme ça, ensuite une rue qui est coupée. Non. Donc il y a un embranchement, maintenant il y a à droite, à gauche, tout droit, derrière. Hein. Maintenant on va construire par exemple une mosquée ici. Une mosquée ici, par exemple, dans cet angle-là, dans un angle ici par exemple. Quand on va construire la mosquée, non. Il y a une... Eux, ils vont la construire, yani, de façon à ce que, yani, cette mosquée ait deux façades, par exemple, une façade par là, en montant, ensuite on tourne à droite, on va faire la deuxième façade. Donc, eux, yani, ils ne donnent pas trop d'importance à la Qibla. Pour eux, la construction doit être, yani, adéquate avec, yani, la rue, les maisons, yani,
C'est-à-dire, ils vont dire, si on va yani, la construire de façon à ce qu'elle soit yani, dirigée vers la Qibla, donc yani, elle va, yani, cette construction va sortir yani, de l'ordinaire. Elle ne va plus être, je ne sais pas comment vous expliquer, yani, ah voilà, ça a rapport avec l'urbanisme, barakallahu fi, l'urbanisme. Normalement, non. Ça, c'est une mosquée. Doit bien faire attention à ce qu'elle doit être en face de la Qibla. Mais lui, il te dit, yani, en général, yani, il te dit, la Qibla n'est pas très très loin. C'est juste un peu yani, à droite ou un peu à gauche. C'est toujours comme ça. Elle n'est pas en face de la Qibla, mais yani, alhamdoulilah. Il va citer le hadith qu'a cité ici lui-même. Bain al-Mashriq et al-Maghribi Qibla. Entre le Mashriq. Entre le levant et le couchant, Qibla. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith s'applique par rapport aux gens de Médine. Hein, Qibla. Chez nous, en Algérie, par exemple, c'est entre le nord et le sud, Qibla. C'est pas entre l'est et l'ouest. C'est entre le nord et le sud, Qibla. C'est pour ça, en Algérie, par exemple, pour connaître la Qibla, il faut voir d'où se lève le soleil. De l'endroit où se lève le soleil, c'est la Qibla. Naam. Et le couchant, le Maghrib, là où se couche le soleil, ça veut dire que tu donnes yani, ton dos à là où se couche le soleil. Mais à Médine, non. Naam. C'est pas là où se lève le soleil, par exemple. C'est entre là où se lève le soleil, le Mashriq, et là où se lève le soleil, c'est entre ces deux qu'il y a la Qibla. Al-Muhim. Revenons donc à notre problème. Normalement, avant de construire la mosquée, il vient qui? Il vient de celui qui a relation avec le ministère des Affaires religieuses. Et il vient ensuite l'architecte et il voit comment, où se trouve la Qibla, la boussole, etc. Et voilà comment qu'on doit construire. Mais les gens, yani, ne donnent pas d'importance à ça. Pour eux, yani, le plus important, c'est l'urbanisme. C'est que yani, tout soit, mashallah, bien yani, enchaîné. La même chose pour la maison. Normalement, quelqu'un, quand il va construire sa maison, surtout yani, si ça revient à lui, c'est sa villa, il va construire sa maison à lui, il doit bien faire attention. La première chose à demander, yani, où se trouve yani, la Qibla pour ne pas faire les toilettes, ne pas construire les toilettes. Qui sont dirigés vers la Qibla, car c'est interdit. Quelqu'un, quand il rentre dans les toilettes, c'est interdit d'être en face de la Qibla, et c'est interdit aussi de donner de son dos à la Qibla, pour faire par exemple ses besoins. Donc c'est interdit de se mettre en face, et c'est interdit de donner à la Qibla son dos. Donc, la première des choses, un vrai croyant, quand il va construire sa maison, c'est de chercher où se trouve la Qibla. Pour l'éviter dans les toilettes et pour construire les toilettes de façon à ce qu'il ne soit pas en face de la Qibla ni de lui donner du dos. Mais où sont les gens qui pensent à ça? Ce qui l'intéresse, c'est année de construire la piscine dans la villa et de construire le premier, le deuxième, le troisième et il va monter je ne sais où. Il va monter comme la tour Eiffel. Un mohim. Donc, maintenant le problème, c'est que toute mosquée dont l'imam peut yani, changer la moquette, etc., et yani, se mettre d'accord avec les prieurs pour yani, se diriger vers la Qibla, c'est obligé pour eux de faire cela. Et aucune personne n'a le droit de dire. Entre le Mashriq et le Maghrib, c'est la Qibla, comme a dit le prophète Aslam, donc on prie, yani, comme on peut. Tant que la personne sait c'est quoi la direction de la Qibla, c'est obligé qu'elle se dirige vers la Qibla. Elle n'a pas le droit de se baser sur le hadith, comme disent les savants. Et le fait que l'imam se dirige vers la Qibla et les autres, pas vers la Qibla, mais vers le mur, ne suffit pas. Il faut que l'imam et ceux qui sont derrière lui se dirigent aussi vers la Qibla, s'ils connaissent sa direction.
Reste maintenant, si l'imam n'accepte pas, il dit change pas les choses, vous devez prier comme ça. Maintenant, s'il n'y a que cette mosquée, ils vont prier comme ça. Ce sera l'imam qui endossera les péchés et qui devra rendre les comptes devant Allah Yom al-Qiyamah. Parce qu'il peut, il n'a pas voulu. Quant à ceux qui prient derrière lui, ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'autre solution. Non. On leur dit, les savants disent, si, Naam, yani, comment ça s'appelle, l'angle qu'il y a, quand tu pries vers le mur et non vers la Qibla, si l'angle qu'il y a entre yani, la direction vers laquelle tu pries et entre la Qibla, si l'angle ne dépasse pas 45 degrés, ta prière est valable bi'idhnillahi ta'ala. Et vous pouvez lire ça sur le site de Cheikh Firkous Hafidhahullah ta'ala. Il faut que entre toi, entre la direction où maintenant tu es en train de prier et celle de la Qibla, l'angle qu'il y a ne doit pas dépasser 45 degrés. S'il dépasse 45 degrés, ta prière est nulle. Naam, ta prière est nulle. Et quand tu pries, quand tu vas à la maison, tu refais ta salat. Mais s'il ne dépasse pas 45 degrés, naam, les savants disent, c'est permis, bi'idlaï ta'ala, car tu ne vois pas la Kaaba et tu es en train de prier envers, yani vers sa direction. Et la direction de la Kaaba, naam, pour celui qui ne la voit pas, c'est jusqu'à 45 degrés. Bi'idlaï ta'ala. Fadal. Barakallahu fikum shaykhana. Prochaine question, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykhana. Hayyakumullah. Nous sommes un couple qui avons fait la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. Wallah musta'an. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour faciliter la hijra. Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer les examens dans l'université en sachant qu'il y aura peut-être la mixité. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. La question qui est affichée et celle que tu as lue ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas si la question que tu as lue, c'est la neuvième ou bien la dixième. Donc il faut savoir c'est quoi la neuvième et c'est quoi la dixième. Fadal. Non, Cheikh, c'est la dixième question. Quand on m'a envoyé la liste, elle n'était pas numérotée, mais c'est bien la dixième question. Et la prochaine sera la onzième. Inch'Allah ta'ala. Jazakum Allahu khaira. La question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa barakatuh. Hayakum Allah, Allah hayakum. Nous sommes un couple qui avons fait la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. D'abord, non. Le fait d'être retourné en France, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très mauvais. Non. Car cela veut dire, non, en d'autres termes, que yani, j'ai délaissé quelque chose que j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les savants disent, quand quelqu'un fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne doit retourner en arrière, jamais. Sauf si vraiment on l'a pris avec des chaînes, on l'a fait monter dans l'avion et on l'a envoyé dans yani, son pays d'origine. Au point où, si quelqu'un par exemple donne une chose fi sabilillah, comme ça s'est passé pour Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, qui a donné un cheval fi sabilillah. Ensuite, la personne trouve ce cheval, naam, qui se vend, il n'a pas le droit de l'acheter. Pourquoi? Parce que il l'a donné fisabilla et maintenant s'il va l'acheter, il va le récupérer, alors qu'il l'a donné fisabilla. Il n'a pas le droit de le récupérer encore une fois. Naam, subhanallah.
Et ce qui est désolant, non, quand mon mari a été expulsé, alhamdoulillah, alhamdoulillah, nous avons été, quand mon mari a été expulsé, alhamdoulillah. Donc ceux-là, yani, ils ont une excuse. Maintenant, je ne parle pas d'eux, je parle en général. Je parle en général. Certains, non, retournent, vous savez pourquoi? Juste parce que dans le pays où ils ont fait la hijra, il n'y a pas de yaourt, où il n'y a pas telle ou telle marque de fromage, où il n'y a pas telle ou telle marque d'habit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Celui qui revient, yani, il délaisse la hijra à cause de ça. C'est vraiment quelqu'un, yani. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut dire de lui que, yani, Cher, vous avez perdu le micro. donc, yani, je délaisse la hijra juste parce qu'il n'y a pas de fromage, ou il n'y a pas de fruits, ou il n'y a pas d'habits, ou il n'y a pas de je ne sais pas quoi, il n'y a pas de plage ici, il n'y a pas. La ilaha illallah. Non. Celui qui a fait ça, ou le qui fait ça veut dire que vraiment il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la hijra. Il ne sait pas c'est quoi la hijra, il ne sait pas. Il n'a pas compris le sens de la hijra. Pourquoi on fait la hijra? Et il a cru que on fait la hijra pour aller, yani, bien manger là-bas et bien s'habiller, aller, yani, faire le ski. Aller faire le ski, aller faire comment ça, le ski nautique aussi à la plage. Il a cru que c'est pour ça. Et quand il n'a pas trouvé ça, il est revenu. Donc il ne sait pas c'est quoi la hijra. Il ne sait pas. Voilà, les vacances. Pour aller passer des vacances et revenir. La ilaha illallah. Allah al-musta'an, comme on dit, Allah al-musta'an. Bon, j'aime pas trop parler de ce sujet parce que moi personnellement, ça va m'énerver. Et quand ça m'énerve, je risque de passer une mauvaise soirée. Et le mohem, qu'a dit la soeur après? Elle a dit, nous avons dû retourner en France. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour passer de la hijra. C'est vrai. C'est vrai. Pour celui qui n'a pas encore fait la hijra, qu'il profite alors de d'avoir un diplôme. Et qu'il ne vienne pas ici pour yani, tendre sa main et dire, aidez-moi, je suis dans la horde, je peux pas gérer ceci, cela. Cherche un diplôme, fais un diplôme. Un diplôme de plombier, un diplôme de pâtissier, un diplôme d'électricien, un diplôme. Tout ça, c'est très demandé. Et c'est ce genre de travail, pâtissier, plombier, électricien, mécanicien, ce genre de travail ne se finit jamais. Dans tous les temps, dans toutes les sociétés, à tout temps, on a besoin d'un électricien. Et on a, voilà, métier d'or. On a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un pâtissier, on a besoin de quelqu'un qui travaille un pizzario, et comme ça. On en a toujours besoin. Toujours, toujours. Comme le comptable. Le comptable, on a toujours besoin d'un comptable. Toutes les sociétés ont besoin d'un comptable. Et comme ça. Donc la personne profite, hein, de faire yani, un métier. Comme ça, là où elle va travailler. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer des examens dans l'université, sachant qu'il y a peut-être la mixité à se permettre. Le jour où la personne va passer l'examen, yani, être dans la mixité, mais ce n'est pas obligé d'être collé à la personne. Quand je vais passer l'examen, la personne est dans sa table, moi je suis dans ma table, et il est loin de moi, je suis loin de lui, je ne lui parle pas, il ne me parle pas, et comme ça. Nam. C'est une journée ou deux pour l'examen ou trois au maximum. C'est pas ça la mixité, yani, qui est interdite. La mixité est interdite parce que on est toute l'année ensemble et on s'assoit ensemble et on parle et on discute et ça va nous amener à des choses qui sont haram. Mais quand je vais passer un examen d'une journée ou deux journées, je suis dans la daroura. Je n'ai pas d'autre solution. Pour avoir mon diplôme, je suis obligé d'aller passer cet examen. Et quand je vais passer l'examen, je crains Allah Ta'ala au maximum. Si je suis un homme, je m'éloigne des femmes au maximum. Non, je ne parle que dans le besoin. Si je suis une femme, je me mets à l'arrière. Non, tout à fait en arrière. J'évite les hommes au maximum. Et comme ça, Wallahu Ta'ala a'lam. Wallahu Ta'ala a'lam. Non. C'est quoi, inshallah Ta'ala, la dernière question, tfadl?
Non, Cheikh, 11e et dernière question. Assalamu alaikum, Cheikh. Mon mari me dit que les sorcières qui volent sur les balais peuvent exister avec l'aide des djinns. J'ai un doute sur ce qu'il me dit, car je sais que les djinns peuvent voler des informations aux anges pour s'en servir afin d'aider les sorciers, les voyants, etc. Mais est-ce que les djinns sont capables de faire voler une personne, Cheikh, barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous aime. Amin. Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Des sorcières qui volent sur des balais, ça existe, yani, ça existe comme base, ça existe dans les dessins animés et les histoires des grands-mères, etc., qui nous racontaient ça. Et c'est surtout dans les dessins animés. Mais n'empêche que, yani, ça s'est passé très rarement, mais ça a existé, qu'un djinn, yani, fasse voler une personne. Et surtout, yani, quand la personne est, yani, en train de dormir. Et Ibn Taymiyyah, rahmatullah, a lui-même cité dans ses fatawas une histoire qui s'est passée à une personne, qui, chaque année, quand elle voulait aller au Hajj, il y avait un chameau. Et cette personne, quand elle voulait aller au Hajj, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait vers un endroit spécial, une montagne, monter sur le sommet de la montagne, et tous les gens venaient la voir pour ceux qui ne croyaient pas. Il disait peut-être c'est pas vrai, c'est seulement une histoire. Et les gens allaient se regrouper, des centaines, des milliers, je sais pas quand, je sais pas combien. Et la personne monte sur le sommet de la montagne et on voyait un chameau venir, un chameau avec des ailes, un chameau qui vole. Vous avez vu un chameau voler? Jamais de la vie. Ibn Taymiyyah dit, le chameau veut arriver, se poser sur le sommet de la montagne, la personne montait dessus et partait vers le Hajj. Tous les gens restaient là, yani, ébahis, étonnés, qu'est-ce qui se passe? Et si tu ne crois pas, regarde avec tes yeux. Tu entendais seulement parler, maintenant tu as vu avec tes yeux. Chaque année comme ça. Quand cette personne est morte, les gens ont dit au fils de cette personne qui est morte. Pourquoi toi, tu n'irais pas à tel sommet, à telle montagne, où ton père, il avait l'habitude que le chameau venait lui prendre. Il a dit, moi, je n'ai rien à voir avec cette affaire-là, et comment le chameau viendrait, je sais pas, je comprends pas. Ils lui ont dit, vas-y, tu perds rien. Mets-toi là-bas et attends, peut-être il viendra quand c'est le moment du Hajj. Et son fils, âgé de 20 ans, je ne sais pas combien, je vous ai dit, cette histoire se trouve dans le livre de Fatawa de Cheikh l'Islam Taymiyyah. Je l'ai lu moi personnellement. Son fils est allé. Voilà. Donc j'ai oublié de dire que le chameau, quand il prenait cette personne, quand c'est le retour, c'est le chameau aussi qu'il ramenait. Et que les gens allaient aussi, Yanni, voir Yanni, ce père, Adal, le père de cet enfant, qui revenait, ils allaient aussi le voir. Pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de rêver, qu'ils ont vu ça. Donc son fils, a essayé, les gens lui ont dit essaye, il a essayé, il est monté sur le chameau, il est parti. Quand c'est le moment du retour, les gens l'ont attendu. Le jour du retour, il n'est pas retourné. 3 jours, 4 jours, une semaine, rien. Un mois ou 2 mois après, il est revenu. Mais il est revenu. Ou bien à pied, ou bien sur un âne ou un cheval. On lui a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça le témoin du cours. Il leur a dit, voici ce qui s'est passé. Quand le chameau est venu, pour la première fois, je suis monté dessus, il a volé. Il a dit, quand on était au milieu du chemin, avant d'arriver, le chameau s'est posé dans un endroit au désert, et il m'a dit, écoute, ici à cet endroit, chaque année, quand je prenais ton père,
je descendais ici et je demandais à ton père de me faire une prosternation, car je suis un djinn qui suis venu sous forme de chameau. Mais, bien, pour travailler ton père et lui faire plaisir, etc., je me suis transformé en chameau avec des ailes et je lui ai donné, yani, cette, alhamdoulilah, cette shohra, cette réputation que, yani, un chameau venait spécialement pour le prendre. En fait, je ne suis qu'un djinn. Mais, en contrepartie, ici, à cet endroit, je descendais et il me faisait une prosternation pour moi. Il se prosternait pour moi pour continuer le chemin. Donc, voilà, je te demande de te prosterner si tu veux qu'on continue le chemin. Il lui a dit, A'udhu billah, ma'ad Allah, A'udhu billah min shaitan rajim, qu'Allah me préserve, que je me prosterne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il lui a craché dessus, y'a shaitan, qu'Allah te maudisse. Et l'autre, il s'est vite, yani, vaporisé, il est parti. Il l'a laissé en plein désert, il a continué à pied, il est revenu à pied, comme j'ai dit. Donc, pour répondre à la question, le shaitan peut, yani, voler avec quelqu'un, etc. Mais, yani, c'est très rare, ça s'est passé peut-être une fois ou comme ça dans l'histoire ou deux fois. Mais par rapport à, yani, les sorcières qui volent sur le balai, c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est un conte de fées, c'est pour les enfants, c'est comme ça. Quoique, comme je viens de le montrer, yani, il est possible qu'un djinn fasse cela. Non. Voilà, inchallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Il y a Souf à 83 et Ort Asia qui lèvent encore les mains. Si je vais leur dire, qu'est-ce que vous avez comme question? Tous les autres vont lever la main. Sah ou la la la. Tous les autres vont lever la main. Et si les autres acceptent de ne pas lever la main, je vais leur dire donc, c'est quoi vos questions? Si les autres acceptent de ne pas lever la main. Non. Car moi aussi, je suis fatigué. Et moi aussi, on m'attend. Non. Donc, sœur contact. Souf Fahadi, normalement, c'est une sœur. Et Ort Asia, est-ce que tu peux prendre leurs deux questions? Fadli. Leurs questions, ils ont eu la réponse. Ah, alhamdoulillah. Donc, pourquoi elle lève la main? Donc, peut-être que elles attendent quelqu'un. J'espère qu'elles n'attendent pas le chameau qui va venir. Non. Fawzi, j'ai besoin de toi 5 minutes après le cours. J'ai besoin de toi. Sauf cas hors sujet. Maalesh, si c'est hors sujet, Maalesh, prends-lui sa question. Prends-lui sa question. Prends la question de Souf a dit, c'est quoi? Même si c'est hors sujet, on termine avec. Tfadli. Fawzi, tu as du temps après le cours, un quart d'heure ou là, on laisse pour une autre fois? D'accord, alors on reste ensemble un quart d'heure, Charlotte, après le cours. Cher, on reste ici ou Yann, je vous appelle sur WhatsApp. Tu crois que c'est mieux sur WhatsApp, tu penses pas? En même temps, on parle et en même temps, on rentre dans le site. Contact, sœur. Est-ce que c'est ça la question? Quel serait votre conseil pour de futurs mariés bidna, qu'Allah le facilite et mettre la baraka dans leur union? Naam, le conseil en deux mots, c'est de, yani, bon, les futurs mariés, c'est de, s'ils n'ont pas encore consommé le mariage, s'ils n'ont pas encore consommé le mariage, c'est de s'éloigner et de ne pas, yani, beaucoup parler entre eux. Car, nam, en se parlant, et en parlant beaucoup aussi, nam, yani, ça risque, dans plusieurs cas, que le mariage ne se termine pas. Ensuite, yani, ils vont commencer à parler de choses qui ne sont pas bien, et ils vont commencer à parler de d'amener, ils vont se faire découvrir leurs défauts, à se fréquenter, à découvrir leurs défauts, etc., et à s'arrêter. Mais plus, yani, ils ne se parlent pas, et plus, voilà, les divergences vont apparaître, ça. Plus ils ne se parlent pas, et plus chacun,
aura envie, beaucoup plus envie de connaître l'autre et d'anticiper le mariage et de faire de la nuit de noces, de faire d'elle, de cette nuit, l'une des plus belles nuits. Sinon, yani, à force de se parler, ils vont peut-être même se rencontrer et se fréquenter, et même peut-être consommer le mariage en cachette. Et il se peut qu'après, ils divorcent, yani, et peut-être on ne souhaite pas ça, mais il se peut que ça arrive. Ça sera, yani, très 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 mauvais pour eux. Non. Que celui qui a commencé un mariage, yani, fisabilah, un mariage sur la sunna, qu'il continue jusqu'à la nuit de noces. Et qu'il continue, yani, toute sa vie. Pas seulement, yani, kitab ou sunna et salafi, juste pour se marier. Et dès qu'il se marie, classe. Lui, il commence à sortir et à ne plus venir jusqu'à 2 h du matin. Et elle, et lui aussi, il commence à parler. Lui, il parle avec des femmes et elle parle avec des hommes sur le Facebook, je ne sais quoi. Ensuite, lui, il commence à voir des choses qui sont pas bien. Et elle va découvrir que sur son téléphone, il a commencé à connaître des femmes. Et elle va découvrir qu'il voit des choses qui sont pas bien en cachette. Donc, où est partie la Salafia? Où est parti le Kitab ou Sunna et les Salaf Saleh et les prédécesseurs, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Mokhbil, le Cheikh Rabi'? Où est parti tout ça? Donc, c'était juste, yani, une couverture pour se marier. Que celui qui veuille se marier, aller sur le Kitab ou Sunna, qu'il soit véridique, qu'il soit un frère ou une sœur, qu'il soit véridique. Et qu'il fasse du mariage une adoration. Je me marie, hein, parce que Allah Ta'ala m'a ordonné de me marier, et je me marie comme Allah Ta'ala veut, hein, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je reste sur cette sunna jusqu'à mourir. Ce n'est pas je fais ça pour me marier, comme appât, un appât qu'on met sur l'hameçon pour attirer le poisson. Donc mon malahia, mon kamis, et elle, son djilbab et son sitar, comme appât. Juste pour attirer le prétendant. Ensuite, c'est une autre femme, classe. Et lui, c'est un autre frère. Fini la salafia. La salafia, c'est seulement un mot. Non, je suis salafi. C'est une phrase que je dis. Mon comportement n'a rien à voir avec la salafia. Quand ma femme n'est pas là, non, voilà, apparemment, c'est tout. Quand ma femme n'est pas là, je regarde des choses de haram. Je regarde des vidéos de haram. Et elle aussi, son mari n'est pas là, elle parle avec des hommes en cachette. Elle part sur le Facebook avec des hommes. Elle a des amis qui sont des hommes. Non, donc, il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute union, où il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala des deux côtés, le mariage ne va pas aller loin. Il ne dépassera pas quelques mois ou une année. Non, pourquoi? C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour Allah. Et les défauts vont apparaître. Tu as beau cacher, tu n'es pas véridique. Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler. Et le mariage ne va pas aller loin. Mais quand quelqu'un se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va durer des années, des années, des années, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Le mariage va durer. Il s'est marié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est pour Allah ne finit pas. Il n'a pas de limite ce qui est pour Allah. Par contre, ce qui est pour les gens, se limite. Maximum, il va tenir une année et il va craquer. Il va montrer son vrai visage. Et elle aussi, elle va montrer son vrai visage. Que Allah Ta'ala nous donne, yani, la véracité. Que Allah Ta'ala nous donne sitr dans toutes choses. Dans le mariage. Dans le commerce. Dans le commerce. Beaucoup de frères et sœurs sont mécha Allah. Sauf quand ils commencent le commerce. Khlas. Tu vas voir que yani, la salafia et la dahya et le djilbab, c'était juste des apparences. Des apparences. Non? Et quand on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on vient à divorcer pour des raisons, c'est possible qu'on divorce. Non. La relation n'est pas détruite. Quand on s'est marié pour Allah, il y a toujours l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Subhanallah.
qu'Allah Ta'ala nous aide. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Il nous donne la sincérité. Il nous donne la véracité. Naam. Il nous donne le sitr. Naam. Et le respect de son frère ou sa soeur. C'est vrai. Sah. Qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Soyez véridique avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala vous donnera une bonne issue. Soyez véridique avec Allah Ta'ala. Envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Avec la bonne intention. Naam. Allah Ta'ala vous donnera yani, une bonne issue. Et pourra descendre yani, le bonheur. Il le placera dans les cœurs et dans la famille bi'idillahi ta'ala. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensemble, inshallah ta'ala. Samedi, lundi, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikum barakallah.